Sous le thème 5 piliers pour rebâtir Kinshasa Horizon 2036, la 6e édition Expo Béton a été ouverte mercredi 30 novembre en présence de plusieurs autorités du pays, notamment le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Poursuivant le parcours ce vendredi 2 décembre, les assises de la 6e édition Expo Béton ont connu la participation des différentes personnalités qui ont exposé. À l'issue de ces assises, l'urbaniste Guilain Amani Mushizi, membre de la Corporation des urbanistes congolais, s'est exprimé en ces mots. Expo Béton 6 a la particularité de s'intéresser uniquement à la ville de Kinshasa en se fondant sur 5 piliers pour essayer de le rebâtir. Tout le monde est d'accord que Kinshasa est une ville à repenser. Tout le monde est d'accord qu'il y a un déficit de gouvernance urbaine et qu'il faut voir les choses autrement, avoir une vision commune qui soit partagée afin de développer une ville à la hauteur du pays que nous avons. Ces assises permettent d'abord à certains experts de communier avec les décideurs et la société civile, donc les représentants de la population. C'est déjà une bonne chose. Donc c'est plutôt un plateau de redevabilité pour les gouvernants, c'est aussi une bonne chose parce que les questions se passent à bâton rompu. Et c'est des exercices qui permettent aux décideurs de développer ce sens de redevabilité dans leur action gouvernementale. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, c'est aussi une occasion d'échanger et de partager des points de vue qui puissent converger à l'édification d'une ville qui soit meilleure. C'est en deuxième lieu. Et en troisième lieu, c'est de faire en sorte que ces échanges ne se limitent pas aux discussions qui sont menées ici et que les recommandations soient portées par tous et voir comment les mettre en œuvre. Charisma TV, l'étendard de l'information.